à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de présentation d'une lampe Olight encore une fois. Et comme vous pouvez le constater, on est dans une grotte gigantesque, c'est magnifique, d'ailleurs vous entendez peut-être l'écho. Donc voilà, j'ai pas voulu tourner cette vidéo dans la forêt cette fois-ci. Mais aujourd'hui nous allons parler de la Olight Baldeir Pro qui vient de sortir. Donc c'est une lampe combinée, une lampe tactique combinée parce qu'il y a une lampe et un laser dessus, un laser vert. Pour ce qui est de la boîte, comme d'habitude, on retrouve ici les indications de puissance, de portée, le nom de la lampe évidemment, une petite photo en relief très sympathique. Donc on va ouvrir cette petite merveille, on va regarder ce qu'il y a dans la boîte. Donc la lampe vient comme ceci, dans sa petite boîte, donc vous voyez déjà qu'elle est magnifique, donc moi j'ai la version TAN. Alors comme d'habitude, dans la boîte nous avons une notice, une clé Torx 6 et 8, pour les différentes vis qui sont présentes sur la lampe. Comme d'habitude, dans la boîte, on a un adaptateur pour rail 1000 STD 1913, d'origine montée sur la lampe, le montage pour Glock. Bon alors déjà, d'un point de vue visuel, cette lampe, je trouve, est magnifique. Donc elle existe en TAN et en noir, donc tout en métal, à part les boutons et le cache pour les piles. Mais très bonne finition. Et dessus, nous avons des inscriptions de laser. Et sur cette lampe, c'est un laser vert. On a ici l'inscription du nom de la lampe, Baldeir Pro avec un numéro de série. Alors déjà premièrement, bon, le laser vert, juste incroyable, très puissant, un vrai laser vert, ça fait plaisir. On n'est pas sur quelque chose de fête foraine. Donc le laser vert, le voici. Donc, vous le voyez à l'autre bout de la grotte. Là, il est environ 100 mètres au bout de la grotte. Donc un laser vert assez puissant, et d'ailleurs quand vous l'allumez dans la nuit totale, vous voyez carrément le faisceau du laser, donc c'est très sympathique. Je le mets sur ma main, donc il est très puissant, vous voyez, ça fait une radiation de laser. Voilà. Sur moi notamment. Alors, pour rappel, petit disclaimer, un laser comme ceci, comme celui-ci, même les autres, il ne faut jamais le mettre dans les yeux. Ça brûle carrément la rétine, ok? Et comme d'hab, nous avons aussi une lampe, forcément. Une lampe très puissante, comme d'habitude. Vous pouvez le voir, qui éclaire très loin. Très blanc, très clair, très puissant. Donc comme vous pouvez le voir, sur le dessus on a donc le compartiment pour le laser, donc on n'a pas le fameux port magnétique comme sur la Olight PL Pro Valkyrie que j'ai dans ma poche actuellement, qui me sert de lampe de poche lors de ce tournage. Donc là on a la Valkyrie et vous voyez au-dessus on a le laser, donc on n'a pas ce petit port magnétique. Alors cette lampe fonctionne avec deux piles CR123A. L'inconvénient de cette lampe du coup, c'est qu'on ne peut pas la recharger. On ne peut pas mettre de piles rechargeables dans cette lampe et il n'y a pas de port pour la recharger, donc à chaque fois il faudra changer les piles. Le compartiment à piles est très bien conçu et pensé lui également, donc vous avez ici une petite écriture qui dit pull pour open, hein, tout simplement. Donc vous allez tirer comme ça et là automatiquement ça ouvre. Donc les finitions intérieures sont très bonnes, on voit que c'est vraiment de la qualité même dans le compartiment à piles. Et nous avons les deux piles ici, c'est les piles officielles Olight de 3 volts et 1600 mAh. Pour refermer ce compartiment à piles, vous venez baisser la languette comme ceci, vous appuyez le capuchon et vous montez la languette. Hop, ça se verrouille et ça tient très bien. Donc pour le coup, cette histoire de piles non rechargeables et qu'il n'y a pas de, que la lampe n'est pas rechargeable en elle-même avec une batterie intégrée, c'est le seul inconvénient que j'ai trouvé à cette lampe. Sinon, elle pèse 129 grammes. Elle a été testée avec des tests de chute à 1 mètre, donc elle est résistante à ce genre de chute, ce qui sont les chutes les plus courantes finalement. Ensuite, nous avons en haut donc le switch pour sélectionner comment on veut utiliser la lampe. Donc on a soit que le laser avec ce petit dessin, après on pousse le switch ici pour avoir lampe plus laser, donc le combiné, et ici pour avoir que la lampe. D'ailleurs, ce sélecteur est bien fait, je pense, il respire la qualité. Pour moi, les clics sont bien définis, bien solides, ça va pas se défaire tout seul. Donc vous pouvez choisir laser seul, lampe seule ou les deux combinés. Et comme d'habitude, vous avez deux modes d'éclairage sur la lampe et un mode stroboscopique, le tout étant cumulable avec toutes les options. Alors vous pouvez voir, cette lampe a une particularité. En haut, le laser, regardez-moi cette tête, comme elle est magnifique, l'intégration du laser avec un port incliné et une grosse vitre, entourée de noir, les finitions sont magnifiques, sont excellentes. Regardez-moi ça comme c'est magnifique, vraiment magnifique finition, magnifique assemblage. Et ce laser vert avec une vitre inclinée pour la sortie est magnifique. Évidemment, ce laser est réglable, hein, par deux vis Torx en haut, que vous pouvez régler avec la clé fournie dans la boîte. Vous réglez ici l'élévation et ici la dérive. Alors, ça, il est très puissant, donc même de jour on peut l'apercevoir. Même dans une maison en plein jour, on peut facilement l'apercevoir, donc c'est très bien.
Et là, bah voilà, une fois que votre laser est réglé sur votre arme, à part le coup de doigt qui rentre en compte, dès que votre laser est sur la cible, si vous l'avez réglé au préalable, eh ben, vous faites feu et vous êtes sûr de faire mouche, quoi. Cette lampe a une longueur de 84 mm, une largeur de 36,5 mm et une hauteur de 44,5 mm. Alors, petite séquence rapide avant de continuer la vidéo dans les grottes. Donc j'ai ici mon Glock 17 9 mm génération 4. On va le sécuriser avant de l'utiliser. Donc pas de chargeur. La chambre est vide. Vérification. Et on percute. Nous avons donc ici notre lampe Olight BLDR Pro laser vert de chez Olight. Donc toujours le même système pour les lampes tactiques de chez Olight. Une fixation papillon. On ouvre ici, ce qui permet d'avoir cette pièce qui s'écarte. On vient donc la clipser tout simplement ici comme ça. Tac. Et on ferme le papillon. Voilà. Et ça bouge absolument pas. Vous voyez que la lampe ne dépasse pas trop. C'est relativement homogène. C'est très sympathique. Laser vert uniquement. Lampe et laser. Lampe uniquement. Alors, nous avons déjà une autonomie du laser seul de 45 heures, d'accord. Alors, pour ce qui est de l'autonomie, en 1350 lumens, nous allons être en 1350 lumens pendant 1 minute. Ensuite, nous allons être à 37% de cette puissance pendant 125 minutes. Et ensuite, nous allons être à 10%. Pour ce qui est du mode faible, donc 300 lumens, nous allons avoir une autonomie de 4 heures qui va amener la batterie de la lampe de 100 à 10%. En mode maximum, nous avons une puissance de 16 900 candélas et au mode faible, nous avons une puissance de 3 600 candélas. Une portée de 250 mètres pour quand on est en 1350 lumens et une portée de 120 mètres quand on est à 300 lumens. On note donc que le montage de cette lampe est très rapide, très facile et surtout très sûr. Une fois qu'elle est fixée, elle ne bouge plus du tout. Je rappelle également qu'on peut resserrer le papillon avec cette vis si jamais il y a un jeu qui se crée avec le temps. Et qu'il y a également fourni dans la boîte un rail type 1913 pour tout ce qui est rail 1000 STD. Et il y a aussi des vis fournies pour le montage de celui-ci, avec une clé Torx. Donc pour ceux qui auraient fait l'erreur incommensurable et impardonnable de ne pas avoir vu ma première vidéo du coup sur la lampe PL Pro Valkyrie, que je vous invite à aller voir, hein, sur celle-ci, je vais vous expliquer comment fonctionnent les lampes Olight tactiques. Donc vous avez deux boutons ici discrets pour le self-défense qui sont tout à fait ambidestre, on en a deux, que vous pouvez avoir avec un seul doigt. Donc là, bon, je vais mettre la lampe pour que vous voyez mieux. Vous appuyez une fois, ça va allumer la lampe. Vous appuyez sur les deux boutons en même temps, même si la lampe est éteinte. C'est le mode pour la défense personnelle. Vous avez le mode stroboscopique qui s'active automatiquement, qui est très très puissant. Donc si vous appuyez une fois, la lumière va rester allumée jusqu'à ce que vous rappuyez. Si vous restez appuyé et que vous relâchez, la lampe va automatiquement s'éteindre. Ce qui fait que si vous avez besoin d'éclairer partiellement dans une pièce pour voir s'il y a les vides et que vous relâchez, ça s'éteint automatiquement, vous n'avez pas besoin de vous embêter à appuyer à chaque fois. Ensuite, une fois qu'elle est allumée, si vous faites un double clic rapide, ça passe de 300 à 1350 lumens. Voilà. Et comme d'habitude, là pour le coup, on a un laser, donc tout est cumulable. Donc là, je vais mettre en 300 pour que vous soyez moins ébloui. Voilà. On a le laser, on peut changer la luminosité de la lampe, on peut mettre le mode stroboscopique plus le laser, on peut tout cumuler à sa guise. Voilà. Pareil pour le laser, lorsqu'on appuie une fois, il va rester allumé constamment. Et si on reste appuyé, quand on va relâcher, il va s'éteindre tout seul. Donc c'est une lampe qui peut avoir tous les usages, que ce soit pour le loisir, airsoft, paintball, autodéfense, etc. Elle peut également servir pour les professionnels, donc c'est vraiment du matériel de qualité. Donc franchement, si vous cherchez depuis très longtemps une lampe laser combinée avec un laser vert en plus, qui est très puissante, fiable, résistante, et belle d'ailleurs aussi. Ce jour est enfin arrivé, et d'ailleurs le tout pour un prix qui est assez correct, on est sous la barrière des 200 €, selon les promos etc. en cours. Je vous mettrai le site encore une fois de Olight dans la description de la vidéo juste en dessous, donc allez y voir, ça vaut le coup d'œil, il vous réexplique tout ça, en tout ce que je vous ai dit dans cette vidéo en image. Je remercie infiniment Olight France de m'avoir envoyé cette lampe pour en faire une vidéo dessus. C'est cool, hein, c'est un joli cadeau, franchement merci beaucoup. Je suis fan de Olight, hein, la première lampe que j'ai là de la PL Pro Valkyrie, Je me la suis achetée, c'était pas un cadeau. Ça n'empêche pas de faire une vidéo dessus. Et quand je vous parle d'une lampe, je suis honnête avec vous. Moi, si c'est de la merde, je le dis. Donc là, franchement, c'est pas parce qu'on m'a offert cette lampe
que je dis qu'elle est bien, attention. Merci beaucoup, encore une fois, au Light France pour ce cadeau. J'espère que la vidéo vous plaira. Et n'hésitez surtout pas, hein, si vous voulez que je fasse des vidéos sur d'autres de vos produits, n'hésitez surtout pas à me les envoyer, ça sera avec grand plaisir. Notamment tout ce qui concerne l'armement, évidemment. Alors, on va se balader ensemble dans cette immense grotte, à l'aide de la lampe Beldeir Pro. Vous voyez, on passe de l'obscurité à la grande lumière, en un clin d'œil. Donc cette grotte est artificielle, comme on peut le voir là-haut. Elle n'est pas naturelle. Vous voyez, si je coupe la lampe, on voit plus rien. Et encore, j'ai boosté la luminosité de mon appareil. Donc comme d'habitude, sur la Olight, on a au bout un faisceau qui est bien rond, très sympathique, qui nous permet une acquisition de la cible efficace, quelle que soit la distance. Regardez, ça, c'est l'entrée de la grotte. N'est-ce pas magnifique? Alors, au centre de l'image, vous pouvez voir le laser vert. Et vous voyez que si je le mets là-bas, on le voit encore au centre de l'image, regardez bien sur la roche, ça bouge, on le voit en plein jour sans aucun souci. Regardez-moi ça comme c'est magnifique. Avec le laser, ça fait un effet kryptonite. Regardez comme c'est magnifique, on dirait un peu de la neige ou de la glace, mais non, c'est que du calcaire. Et avec le laser, ça fait un effet très sympathique de boîte de nuit. Donc quand on laisse allumer cette lampe longtemps à la puissance maximum, elle chauffe énormément. Moi ça me brûle presque la main à force. Mais on n'est pas censé la tenir à la main, on est censé l'avoir sur une arme. Et l'hiver, je peux vous assurer que le fait qu'elle chauffe, c'est une bénédiction. Donc là, on arrive sur une espèce de lac. Des petites mares intérieures, très sympathiques. Moi je vais rentrer parce que j'ai une longue marche qui m'attend. Et puis bon, j'ai pas l'intention non plus de passer la nuit ici. Hein, je suis pas un homme des cavernes, commence à faire mon feu dans ma grotte et tout. Bien que celle-ci est assez spacieuse, c'est sympa. Bon, du coup, je tourne cette outre trop un autre jour. Je suis revenu exprès, sous la pluie, c'est pour ça que je suis trempé. Je me suis pas fait pipi dessus parce que j'étais tout seul dans la grotte, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Juste vous dire quelque chose, vous avez obligation de vous abonner en fait. Parce que si vous abonnez pas, je viens vous chercher, je vous ligote. Et je vous laisse dans cette grotte toute la nuit, et vous ferez moins les malins. Voilà, donc abonnez-vous. Ensuite, je vais faire des photos de cette petite merveille, et je vais les mettre sur mon Insta. Donc, si vous voulez voir des jolies photos de certains articles de l'armement, eh ben, allez sur mon Instagram en masse, je vous mettrai le lien dans la description. Encore une fois, un grand merci à Olight qui m'a envoyé ce produit. Olight, hein, si vous voyez cette vidéo, n'hésitez surtout pas à m'envoyer tout votre catalogue, je ferai des vidéos avec plaisir dessus. Il n'y a aucun problème. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Partagez-la un maximum, dites-moi ce que vous avez pensé de cette lampe en commentaire, ou alors si vous avez des questions. Mettez un petit pouce bleu comme d'habitude, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vraiment qu'elle vous a plu, moi j'ai pris énormément de plaisir à la tourner. Et puis je vous dis à très bientôt, des bisous!